Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif et c'est le numéro 51. Voilà, ça fait maintenant 51 semaines que je vous fais le journal créatif tous les dimanches. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous en remercie. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Fifi. Oui, moi, Fifi. Petit pot de colle. Voilà. Alors, journal créatif. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant la semaine. Embroderie, tricot, voilà, crochet s'il y en a eu, et si jamais j'ai fait d'autres loisirs créatifs, vous les voyez aussi sur cette vidéo. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Qu'est-ce qu'on a fait, Fifi? On a fait de la broderie, on a fait du tricot. Alors, Je fais un challenge toutes les semaines personnel, c'est-à-dire que je prévois de faire au moins 3000 croix par semaine. Oui. Et cette semaine, ça a été une petite semaine. Voilà, je vous dirai à la fin le nombre de croix que j'ai fait. Oh là 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 là, j'ai des bisous à sa maman. Oui, parce qu'on a encore pas mal bougé cette semaine. Bah on profite que quand il y a un petit peu de soleil quand même de bouger un peu. Et bon, la semaine prochaine, je pense il va y avoir du soleil, mais je pense pas qu'on bougera parce que là, il va faire très chaud. Ils annoncent la canicule, ma fifi. Oui. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, il va y avoir quelque chose de terminé. Certaines d'entre vous le savent déjà. Mais oui, on se fait des câlins. Qu'est-ce que je vais vous montrer déjà? Alors, au niveau broderie. Bon, je vais tirer au hasard. Voilà. Je voulais essayer de faire en suivant de ce que j'ai fait cette semaine, mais bon, j'ai pas rangé, alors on tire au hasard. Voilà, ça y est, elle est descendue. J'ai travaillé sur mon Caroline Manning. Voilà. Donc c'est le Garden Gift. Donc, il a bien avancé, je trouve. J'ai fait cette semaine 316 croix. J'en suis à 2038 croix. 2030 croix, pardon. Et je suis à 18,41%. Mais comme je vous avais déjà expliqué, là, le pourcentage est un peu biaisé. Puisque moi je ne vais pas broder le fond, voilà, le fond en 38-65 je ne le fais pas, ça va être dur, je le sens, donc Fifi, bouge, allez, bon, assieds-toi. Oui, donc je vous disais, moi, tout ce qui est le fond, je ne le ferai pas. Donc, du coup, le pourcentage ne sera pas le même. Donc, voilà, j'avance bien. Il me plaît beaucoup. De toute façon, c'est pour ça que j'avais choisi cette broderie. Alors, désolée si je parle un peu lentement. J'ai mal au crâne. Bon. Oui, j'aime beaucoup les couleurs et le rendu est vraiment très joli. Alors cette semaine ou ces derniers jours, Caroline Manning a sorti un nouveau modèle, enfin non, en tout deux nouveaux modèles, un qui est sur le thème de Noël et un qui est sur le thème des pommes.
Si je n'oublie pas, j'essaierai de vous mettre la photo. Je trouve très jolie, mais bon, je me retiens. Je me retiens, je me retiens, je me retiens. Par contre, si vous n'avez pas envie de vous retenir, il y a des promos en ce moment sur le site de Caroline Ménning. Voilà. C'est pour ça, bon, je réfléchis quand même parce que bon, ça m'embêterait de ne pas vouloir le prendre maintenant. Et puis qu'après, il soit plus en promo. Donc, je verrai. J'ai encore le temps, quelques jours, pour réfléchir. Et je verrai si je me le prends ou pas. Par contre, je ne sais pas quand je le ferai, celui-là. Voilà. Ben, surtout que j'ai encore deux autres grilles de Caroline Ménning. Mais là, bon, je fais celle-là d'abord et après, on verra. Poser sur le côté, je rangerai après. Ensuite, oui, ah, j'ai très très mal à la tête, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est un duo que je fais avec Amélie de la chaîne Désigne et Diamant. C'est sur le Fifi, s'il te plaît. Oh, vas-y, maintenant elle fait sa toilette. Les filles, tu peux bouger. Bon, va gratter tes puces ailleurs. Les filles, viens la maman. Allez, descends. Descends. Hop, descends. 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 Bon, elle ne veut pas, hein. Voilà, alors c'est la demeure de charme, c'est un modèle de Sabine de poussière d'étoile. Donc j'ai fait, donc mon étape est bonne, on se fait 1000 croix par mois et là je suis à mes 1000 croix tout juste, voilà. Donc mon étape du mois est faite, voilà. Bon, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. On voit bien qu'il y a des fenêtres, mais ouais. J'aime beaucoup. C'est un modèle très agréable à faire, très simple. J'aime vraiment beaucoup. Alors, il est sur une toile étamine. Ah, l'autre, je ne vous l'ai pas dit, Caroline Ménning, mais bon, pour les habitués, vous le savez déjà, c'est une toile Aïda 8. Et ici, c'est une étamine 12.6 fils blanche irisée. Voilà. Bon, Fifi, maman va se fâcher. Non, je ne me fâche pas. Alors, j'en profite pour vous montrer. Alors, c'est Sonia qui m'en a parlé. Et c'est Amélie qui en a parlé aussi dans sa vidéo. De se faire une petite carte mémoire que l'on met dans notre pochette. Donc j'ai commencé à les faire, elles ne sont pas encore toutes faites, mais j'ai commencé à en faire. Donc voilà, alors je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc on met le nom de la broderie, la boutique, moi j'ai rajouté la dimension de la toile. La toile, qu'est-ce que c'est, d'où elle vient. Les fils, donc je précise, c'est fils chinois ou DMC. Et commencez-le là, il faut que je cherche, je ne sais plus quand est-ce que je l'avais commencé. Et du coup, quand c'est un duo, je marque avec qui c'est le duo. Et ben là, je m'aperçois que j'ai pas mis mes. Ah ben non, j'ai pas. Attendez. Si, si, je l'ai noté. Et je mets derrière le nombre de croix que je fais. Comme ça, je sais toujours où j'en suis. Donc, on se fait des petites cartes comme ça. Et comme ça, je me la mets dans ma pochette. Parce que vous savez que je suis toujours en train de chercher la toile, où est-ce que je l'ai achetée, etc. Et du coup, en marquant tout sur cette petite carte pistole, ben, j'ai tout sous les yeux pour vous le dire.
Alors, celui-là, je vous ai dit que j'avais fait. Donc, cette semaine, j'ai fait 247 croix, ce qui m'a permis d'arriver à mes 1000 croix pour le mois. Et je suis à 9,10%. Voilà. Ensuite, celle-là, non. Ah, non. Oui. J'ai enfin terminé l'étape 1. Et je crois que l'on est à la 6e ou à la 7e étape déjà. Mais bon. Donc ça, c'est le sale. Bon, Fifi descend maintenant. Fifi. Fifi. J'adore quand elle fait comme si on ne lui parlait pas. Fifi, tu peux descendre. Oh. Tu peux descendre. On va l'aider. Voilà. C'est le sale de jardin privé, donc les Floralies. Voilà. Ça y est, j'ai terminé mon étape 1. Bravo, youpi. Il me restait cette fleur-là à faire. Donc voilà, c'est fait. La semaine prochaine, j'attaquerai l'étape 2 automatiquement. Alors, est-ce que j'ai fait ma petite carte à celui-là? Je crois que je l'avais fait, mais je ne l'ai pas mis dedans. Donc voilà, hein, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une toile étamine 12,6 fils. Alors, c'est couleur vert amande avec des petits points blancs. Voilà. J'aime beaucoup. C'est assez simple, mais c'est très printanier. Voilà. Très joli. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur celle-ci? Pour terminer, alors je n'ai fait que terminer l'étape. Et pour terminer l'étape, j'ai fait 150 croix. Voilà. Ensuite, alors, je vais faire une petite croix, ce que je vous ai déjà montré, comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et qu'est-ce que je vous ai montré? Ah oui, il est où? Caroline Ménine, il est là. Ensuite, ici. Alors, celle-ci, je n'ai pas encore fait ma petite carte non plus, mais je la ferai bien, bientôt. C'est trio que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose et Geneviève. Donc, qui font toutes les deux partie du gang des Québécoises, comme j'aime le dire. Donc, c'est ce modèle-là. C'est un long dog sampler. Et c'est le Two Men's Maurice. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est un très joli modèle et super agréable à broder. Très, très agréable à broder. J'en suis où? J'ai fait cette semaine donc 275 croix. J'en suis à 679 croix, soit 1,73%. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Bon, c'est pas beaucoup encore, hein, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que... Oui, là comme ça, vous allez voir le reflet des couleurs. C'est un fil... alors, ce n'est pas le fil variation, hein. Chaque fois, je vous le répète, mais ce n'est pas le fil variation. C'est le fil multicolore de DMC. Et la couleur, c'est Nuit canadienne. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais vous montrer la bobine, enfin la bobine sous ma petite plaquette. Voilà. Voilà les couleurs.
Vraiment très très joli. Donc ça, je le brode en deux fils. C'est du deux fils. Et là, on brode en croix entière, c'est-à-dire qu'on fait une croix entière à la fois. Hein. Voilà, pour que la couleur du fil ressorte comme il faut. Là, je suis sur une toile de lin. C'est du 16 fils blanche, blanc cassé ou blanche. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que je mette mes petites cartonnettes à jour pour bien vous dire ce que c'est. Voilà. Et donc ça, c'est une toile que j'ai eue chez De Mère en Fille. Voilà. Le petit aimant, c'est un aimant de chez Poussière d'Étoile, bien sûr. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, on avance à notre rythme hein, sur celui-là. Pas de prise de tête, pas de pression. On avance comme on peut. Ensuite, oui. Alors là, j'ai pas fini mon étape, mais il me reste pas grand chose à faire. De toute façon, il reste combien de jours? Il reste 1, 2, 3, il reste 4 jours, donc je peux le terminer. Pour être à jour, ça c'est un sale que moi j'organise, voilà, avec un modèle All Forest. C'est les ours de Noël. Donc je suis sur la petite fille ours, donc elle est terminée, là en bas c'est terminé, et j'ai commencé donc la couronne de fleurs qui vient autour d'elle, donc j'ai plus que ça à terminer. Ça va aller assez vite et finir ici la frise au-dessus. Voilà. Donc là, bon, comme il me reste 4 jours, je pense que j'aurai réussi à la finir ce mois-ci. Pareil, très agréable à faire. Donc c'est sur une toile étamine. Ça, c'est une toile que j'ai gagnée à la boutique Tom et Lily Création. C'est teint à la main. Là, c'est couleur jean. Donc, c'est une étamine 12.6 fils également. Voilà. Alors, les ours de Noël, j'ai fait plus ou moins 250 croix. Je dis plus ou moins puisque là, c'est sur papier. Et donc, je n'ai pas le... je n'ai pas compté pile poil le nombre de croix que j'ai brodé comme je peux faire sur Pattern Keeper, bien sûr. Ma tête va exploser. Donc ça, c'est montré. Alors ouais, la vidéo sera vraiment pas longue aujourd'hui, je m'en excuse par avance. Mais voilà, on fera mieux la semaine prochaine, je pense. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer? Alors, qu'est-ce qui arrive à la suite? Oui. Là, c'est un duo que je fais avec Céline. On brode toutes les deux un modèle de chez Lily Point. On ne brode pas le même modèle. Mais c'est sur le même thème, c'est sur le thème des chats. Et moi, mon modèle, c'est celui-ci. Alors, attendez que je vous montre. Voilà, moi, c'est celui-ci. Je vous mets juste à côté le modèle de Céline. Voilà. Oui, maman, on va arriver. Ça y est, ça commence. Vous avez compris ce que c'est, hein, la post-pipi. Donc voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fait mes 4 cases. Donc on a 4 cases que l'on fait chaque semaine. Donc, du coup, c'est des étapes assez rapides hein, à faire.
Voilà. Alors, on me dirait pourquoi on ne fait pas plus. Ben Céline travaille. Elle a déménagé aussi il n'y a pas longtemps. Donc, elle a pas mal de boulot. Et puis, bon, son travail, son installation, tout ça, ça prend du temps. Donc, 4 cases, ça nous va très, très bien. Voilà. Je vous mets également la photo de l'avancée de Céline. Voilà. Alors là, moi, je brode sur une toile étamine 12.6 fils. Ben, Vichy, hein, Vichy gris. Voilà. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. De plus en plus, j'aime broder sur cette toile. Et le rendu est vraiment très bien. Donc, ça me plaît vraiment beaucoup. Bon, bah écoutez, on fait déjà une première pause pipi pour les poilus. J'arrive, je suis là tout de suite pour vous. Voilà, ça n'a pas été trop long. J'en ai profité pour me prendre un cachet pour la tête. J'espère que ça va se passer. En plus, avec la lumière dans les yeux, mais je suis obligée de vous la mettre. Alors, celui-ci, il avance très bien. Enfin, on arrive bien au bout. C'est le sale que Julia a organisé, le rose cocon, avec une broderie de chez All Forest. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé la frise, enfin terminé cette partie-là de la frise. Là, il me reste encore une chose à faire ici sur le dessus. Mais j'ai travaillé sur la frise qui est là. Voilà. Je vous montre le reste un peu. Alors, celle-ci, j'ai fait 308 croix et je suis arrivée à 10 567 croix en tout, soit 83,70%. Donc, vous voyez, là, on est bientôt à la fin. Il me reste quoi? L'autre jour, j'avais compté, mais il me reste moins de 20%. Ouais, moins de 20%. 17%, moins de 17%. Bon, on va dire qu'il reste 16% à broder. Donc, ça va. Il n'y a plus grand-chose à faire. Donc là, je vais avoir encore des choses à mettre ici. Je crois qu'au-dessus du renard, j'en ai encore un. Après, ça va être en bas. J'ai une frise en bas, je crois. Voilà. Non, mais il avance très bien. Je le trouve vraiment très joli. Alors, petite. Moi, je le vois parce que je le sais. Je suis tombée en panne avec mon fil citrouille. Hein, si à l'écran, ça se voit un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Je suis tombée en panne ici. En finissant cette citrouille. Et du coup, j'ai repris une nouvelle échevette. Je crois que je l'ai là même. Mais je n'avais plus en fil chinois, parce que je l'avais commencé en fil chinois. Donc, je l'ai pris dans mon stock DMC. Donc, c'est le 977. Voilà, c'est celui-là. Mais il y a un. Alors, comment je vais vous expliquer? Les couleurs que vous avez sur les DMC, ce sont les vraies, vraies, vraies couleurs. Le bain de la couleur, à 100%, il est bon. Et du coup, quand vous brodez, vous faites une broderie avec des fils chinois, par exemple. Faites attention que vous ayez bien votre compte de fil. Parce que bah, si vous tombez en panne, bon, peut-être que vous allez reprendre un fil chinois, mais il peut y avoir une très grosse différence de bain entre deux échevettes.
On dirait sur DMC, il peut y avoir des différences de bain aussi, mais ce sera beaucoup plus léger. Vraiment, c'est très très rare de voir de grosses différences. Pour moi, j'en ai jamais eu avec les vrais fils DMC. Par contre, les fils chinois, la couleur n'est pas à 100% celle de chez DMC. Donc, faites attention quand vous faites une broderie, surtout quand vous faites des grandes broderies, par exemple. Et c'est fait pour avoir, comme moi ici, vous voyez, c'est ma deuxième échevette pour faire cette couleur-là. Mais la première, c'était du fil chinois. Et du coup, il y a une petite différence de couleur. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Oh, alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà, là, c'est du fil chinois. Et ici, c'est le fil DMC. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le fil chinois est beaucoup plus foncé, voilà, que le DMC. Donc, il faut que vous fassiez. Moi, je me doutais hein, que j'aurais eu une différence de couleur. Mais manque de peau, dans tous mes fils chinois, j'avais plus cette couleur-là. Donc, ben, j'ai pris mon DMC, du coup. Et voilà. Donc, faites bien, bien, bien attention d'avoir votre compte de fil quand vous commencez une broderie. Parce que il peut y avoir des différences de bain, mais je vous dis, bon, chez DMC, il peut y avoir des différences de bain également, hein, mais ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins flagrant qu'avec les fils chinois. Là, vous voyez le fil chinois, et après, j'ai continué avec un fil DMC, ben, il y a quand même une différence de couleur. Bon, moi, je le sais, ça va se voir une fois que ce sera encadré. Quand s'il y a des gens qui viennent chez moi, ils ne vont pas y faire attention. Voilà. Puis là, bon, j'étais arrivée à ma dernière. C'est bête parce que j'étais arrivée à ma dernière citrouille. Voilà. Mais donc, pensez à ça quand vous faites une broderie. Quand vous voyez que vous allez tomber en panne, mais que, enfin, quand vous voyez que vous allez tomber en panne, il est trop tard déjà. Mais prévoyez bien à l'avance le nombre d'échevettes dont vous avez besoin. Il faut savoir que, alors, c'est une moyenne. Normalement, c'est un peu plus, mais moi, je compte 1000 croix par échevette. Voilà, les échevettes font 8 mètres. Je prévois pour faire 1000 croix. Et normalement, c'est un peu plus. Ça doit être 1200, je crois. Ouais, je ne sais plus exactement. Mais si vous voyez que dans vos couleurs, des fois, c'est marqué hein, sur certaines broderies. Par exemple, sur les HAED, c'est marqué. On sait le nombre de croix que l'on va broder. On sait. Et du coup, si vous voyez que c'est plus de 1000, prévoyez une échevette supplémentaire. Voilà. Bah voilà, je pense que je vous ai tout expliqué pour ça. Mais voilà. Alors, si jamais vous brodez quand même. Alors, il faut savoir aussi que le fil chinois est plus épais. Il est plus épais. Le fil DMC, il est un peu plus fin. Bah ça, il a toujours eu cette taille-là. Hein. Voilà, c'est la qualité hein, qui change. Bon, la qualité est meilleure là quand même. Oui, donc il y a aussi un problème d'épaisseur quand vous brodez. Et comme là, moi, j'ai fait bon, mes deux citrouilles. Vous voyez, elles sont l'une à côté de l'autre. Donc, quand on connaît la broderie, là, on a le nez dessus, donc ça se voit. Mais si vous, là, j'arriverai pas à vous montrer plus près, mais on voit que la citrouille avec le fil chinois, elle est plus épaisse que ma citrouille avec le fil DMC. Voilà.
Mais bon, par exemple, j'aurais réussi à faire toutes mes citrouilles là, et puis ça, c'est pas fait, par exemple. Bon, là, du coup, c'était vraiment pas grave. Je faisais avec ma nouvelle échevette ma grosse citrouille, et voilà, ça ne se voyait pas. Bon, je vous dis, moi, je le vois parce que je le sais. Donc, vous, je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Donc, faites attention à votre nombre d'échevettes avant de commencer votre ouvrage. Bon, je le savais, hein, mais comme je n'avais plus cette référence-là dans mes fiches chinois, bon, ben, j'ai bien été obligée d'aller dans mes références DMC. Alors, celui-là, est-ce que je vous ai dit le nombre de croix? Je ne sais plus. Oui, 308 croix cette semaine et je suis à 10 567 croix. Donc j'ai dépassé, je crois que j'ai fait mes 1000 croix. Ouais, j'ai dépassé mes 1000 croix. Là, j'ai de l'avance pour le mois prochain, mais je vais essayer de la terminer pour le mois prochain. Je vous avais déjà dit hein, que j'allais essayer de la terminer pour le mois d'août. Donc j'espère que le mois d'août, je pourrai vous montrer terminé. Ouais, c'est un joli modèle. Alors c'est un modèle gratuit que vous trouvez sur le site All Forest, si jamais ça vous voulez le faire, qu'il vous plaît. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Là, c'est les grands, les grands. Là, c'est un grand. Là aussi. Au niveau des. Enfin, petites. Au niveau des petites broderies, c'est tout. Alors, je n'ai pas travaillé cette semaine. Alors, il y a beaucoup de broderies sur lesquelles je n'ai pas travaillé cette semaine. Je n'ai pas travaillé sur mon Bouddha de. Alors, je vais essayer de vous les montrer pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, si je vous montre comme ça. Non. Alors, je n'ai pas travaillé sur mon Bouddha cette semaine. Voilà. Donc, c'est un modèle de poussière d'étoiles. C'est un modèle gratuit. Je n'ai pas travaillé non plus sur. Elle est où? Je ne sais même pas où. Elle est là. Sur ma grenouille. Voilà. Donc, la semaine dernière, vous aviez vu hein, que j'avais travaillé là. Et cette semaine, bah non. Alors, je vous parlais du Dovic qui faisait aussi la broderie de la grenouille. Lui, ça y est, elle est terminée. J'essaierai de vous mettre une photo de sa grenouille. J'ai pas travaillé. Non, ça c'est à part. Ça c'est à part. Ouais. Ah, celui-là, j'ai pas travaillé dessus. Oh, sa tête, c'est pas possible ce soir. Je suis vraiment désolée, mais ça tape très très fort. Ah ouais, du coup, je suis en retard sur mon étape. Bon, c'est pas grave. Comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, puisque c'est moi qui organise ce sale. C'est un sale Alice au pays des merveilles. C'est un modèle All Forest également que vous trouvez sur le site All Forest dans les broderies gratuites. Voilà. Donc là, moi, je suis à l'étape ici, mais elle n'est pas terminée. Je l'ai oubliée. Mais bon, pas grave. Je la ferai peut-être ce dimanche. Ouais, je la ferai peut-être ce dimanche pour rattraper. Là, c'est pareil, il me reste 4 jours. Donc. Je ne suis pas en retard. Je suis pas en avance, mais je suis pas en retard. Voilà. Ça c'est quoi là, ça? Ah oui. Ah ça c'est un que je dois commencer, mais quand j'aurai terminé. Mes chats, enfin mon chat de la ronron thérapie de Lily Point,
Alors, je sais que je vous avais dit, je vais vous faire une vidéo pour vous demander. Ah mince, je n'ai pas remis ça. Ah zut, je suis perdue. Attendez, je l'ai mis où? Je viens de l'avoir dans les mains. Je viens de l'avoir dans les mains. Personne ne saute. Assez fort, ça. Là, là, voilà. Ah, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Voilà, c'est le patron de mon Alice au Pays des Merveilles. Oui. Des lilipoints, je vous avais dit, j'en ai plusieurs. Enfin, je vous les montre. Celle-ci, c'est une qu'on m'a offert. Donc, elle n'est pas encore commencée. Simone, si tu passes par là. Voilà. Donc, c'est une qu'on m'a offert. Alors, attendez, j'enlève les fils pour que vous voyez mieux le dessin. Parce que j'ai déjà préparé mes fils. La toile, je l'ai également. C'est un petit peu abîmé dans mon panier. Voilà, c'est celle-ci. Mes cookies aux pépites de chocolat. Donc ça, c'est un qu'on m'a offert, que je prévois de faire. Mais bon, pour l'instant, il faut que je termine au moins une broderie. Voilà. Que je termine au moins une broderie. Moi, tous mes fils sont prêts. Voyez, voilà les couleurs. Ils sont jolis. Hein. Et donc, je vais attendre d'avoir terminé la, au moins la. Mais bon, j'ai encore pour un petit moment. La lilipoint. Mais ou alors quand j'en aurai fini une autre. Par exemple, si j'ai fini ma grenouille, bon, c'est pas encore. Est pas encore arrivé à la fin, mais ou le mont Olforès avec le sal de Julia, peut-être que je commencerai celle-là. Bon, vous savez que j'ai d'autres broderies à commencer également, mais voilà. Donc ça, c'est une que j'ai prévu de faire, mais qui n'est pas encore commencée. Alors, hop. Mais de toute façon, j'ai beaucoup de retard aussi sur mes salles. J'ai du mal à me tenir sur les salles. Bon, moi, j'en organise. Hein. Voilà, j'aime bien en organiser. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à suivre les étapes. J'aime bien travailler à mon rythme. Voilà, j'aime bien travailler à mon rythme. La preuve, c'est que là, en ce moment, je fais des... enfin, on va pas appeler ça des duos puisqu'on est plusieurs avec mon petit gang de Québécoises. Je vous embrasse toutes. Mais je suis très, 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 très en retard. J'ai du mal à suivre, moi, des étapes, je trouve. Mais bon, j'essaye de me tenir... au maximum sur certaines, mais là je sais qu'on fait le, alors j'ai plus le nom exact, mais c'est le... on appelle ça le patchwork sampler, mais alors, je vais vous le montrer après je pense, mais ça fait 3 semaines que je n'y ai pas touché je pense. Je suis toujours au premier carré alors qu'on doit en faire, on doit faire 10 cases. C'est des cases de 30-30. On doit en faire 10 sur 4 mois. Et je suis toujours à ma première. Mais c'est vrai que moi, je prends beaucoup de retard. Et... fin de compte, moi, les salles, je vous dis, c'est les salles où voilà, c'est pas trop, c'est pas beaucoup ma tasse de thé. La preuve, je suis en retard sur mes propres salles que j'organise, je suis en retard sur
Le sale, il est où? Il est là. Voilà. Là. Ah, comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Je vous dis, quand j'ai mal à la tête, le cerveau, il ne va pas. Hein, il n'avance pas. Voilà, celui-là, ça vous dira quelque chose. Le colibri. Ouais, c'est ça, le colibri. Donc, c'est une broderie de poussière d'étoile. Donc, c'est un sale que moi, j'organise. Les filles, le mois prochain, sont à la dernière étape. Moi, j'en suis toujours à l'étape. J'oscille entre l'étape 1, 2 et 3. Parce que du coup, là, il y a un peu des 3. Oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à suivre les salles. Puis, de toute façon, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Pas seulement en broderie, mais bon, j'ai les groupes à gérer. J'ai ma chaîne à gérer. J'ai la maison aussi. Bon, malgré qu'à la maison, c'est surtout Chouchou qui s'en occupe. Mais bon, je donne quand même un petit coup de main. Voilà, il y a plein de choses. Il y a les courses, il y a les aléas de la vie. Il arrive qu'on a des choses à faire entre deux. Et du coup, ben, je prends énormément de retard. Bon, je culpabilise pas, hein. Je vais pas culpabiliser pour ça. J'arriverai bien à rattraper un jour ou l'autre. La preuve, c'est que vous avez bien vu que j'ai rattrapé le fan. Je vous l'ai montré ben, la semaine dernière, je crois. Le fan de poussière d'étoile, c'était un sale qui avait été organisé. Moi, j'ai mis. Alors, c'était une étape tous les 15 jours. Oui, c'est ça, c'était une étape tous les 15 jours. Il y avait 10 étapes, donc ça faisait 5 mois. Moi, j'ai mis 9 mois pour le faire. Mais bon, mais je l'ai fait, je l'ai fini. Voilà. Bon, par contre, je ne l'ai pas encore mis au mur. Faut que je le mette au mur. Voilà, alors, pour les petits, ben, c'est tout. Ouais, il en reste quand même que je n'ai pas travaillé. Mais de toute façon, vous le savez, hein, moi, j'ai une trentaine d'encours. Et je ne peux pas travailler les 30 en cours sur une semaine. Ça, c'est impossible. Donc, il y a des broderies qui reviennent toutes les semaines. Et il y en a d'autres que bah, ça fait un roulement avec les autres broderies. Excusez-moi. Je vais ranger les petites broderies pour me faire de la place et je vous montre le reste des broderies que j'ai travaillé cette semaine. Voilà, j'ai rangé. Alors, dans mes grandes broderies, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai fait mes pans royaux. Voilà. Alors, ça aussi, c'est un modèle All Forest, mais par contre, c'est un modèle payant. Vous pouvez l'acheter en PDF hein, directement. Voilà. Donc, j'ai terminé mon dragon. Là, ouais, c'est un genre de dragon. Il est terminé. Donc, ça. Alors, je suis désolée. La lumière du téléphone. C'est la lumière du téléphone qui bouge beaucoup. Je le brode en 550, voilà, là c'est avec un fil DMC et je brode aussi, alors là je vais mettre des touches à droite à gauche, donc là j'ai fait cette arabesque ici en C550, c'est-à-dire le fil étoile. Donc les deux fils sont un fil violet. Et je le brode donc sur une toile étamine 12,6 fils rose vintage. Voilà. J'aime beaucoup aussi le broder. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les monochromes. Ça a été mes premières broderies. Bon, j'ai bien fait des petites broderies colorées aussi. Mais vraiment, mes grandes premières broderies, ça a été des monochromes et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'essaie de trouver le son. Voilà, la lumière.
Donc là, j'avance bien. Bon, là, comme cette partie-là est terminée, je ne sais pas si je vais repartir sur les côtés ou si je vais continuer en bas. Ou alors, je vais peut-être redescendre ma toile pour continuer le pan que j'avais commencé ici. Voilà, donc je vais peut-être repartir sur ce pan pour le continuer. Voilà. Alors, mes pans royaux, j'ai fait 268 croix. J'en suis à 5842 croix en tout, soit 18,21%. Voilà. Alors, des fois, on me demande, mais comment tu comptes et tout? C'est parce que c'est mis sur l'application Pattern Keeper. L'application Pattern Keeper vous donne votre pourcentage, votre nombre de croix brodées ce jour-ci, ce jour-là, pardon, et le nombre de croix totales que, voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrive à compter. Bon, voilà. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai pris du retard maintenant sur ma maison météo. Cette semaine, je ne l'ai pas sortie. Mais bon, comme je suis juste en retard de deux fenêtres, bon, ça va aller vite. La semaine prochaine, je serai à jour. J'aurai fait mes deux fenêtres de retard. Et je ferai ma fenêtre de la semaine, donc vous pourrez la voir la semaine prochaine sans problème. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, elle est ici. Oui, dans ce sens-là. Ici, c'est un duo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Voilà, donc c'est le sampler, comment ça s'appelle, alors je sais plus le nom, vous voyez, j'ai pas fini, c'est pour ça que les petites cartonnettes vont me servir, parce que ben j'ai pas encore tout fait, et ça me fait un aide-mémoire pour moi. Alors je vais vous dire ça. Excusez-moi, c'est parce que j'ai vu que mon fils m'avait envoyé un message. Regardez ce que c'était. Là, je suis sur quoi? Oui, le sampler. Ça ne veut pas passer, hein, le mal de tête, malgré le cachet. Ça ne va pas passer. Alors, le nom. Bah, sampler. Sampler 124. Bon. Écoutez, j'essaierai de retrouver s'il y a un autre nom. Alors, ça vient de 2x2 Stitch Art. Voilà. Oui, non, j'ai pas d'autre nom. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, à la base, c'est ça. Voilà. C'est ce modèle-là. Donc nous, on est en train de faire cette partie ici. Voilà. Je vous remets également la photo l'une à côté de l'autre, donc pour vous montrer où Sonia en est. Alors on est sur la même image, mais on n'a pas fait tout à fait les mêmes motifs en même temps. Voilà. Alors, par contre, là, on a décidé. Enfin, Sonia a décidé et moi, j'ai dit OK, il n'y a pas de problème. On va faire 300 croix. Excusez-moi. Oh, en plus, je bâille, c'est fatigant. Bâiller, c'est fatigant. On va faire 300 croix par semaine. Pas une de plus, promis Sonia, pas une de plus. Comme ça, parce que bon, il y était un moment, je ne sais pas comment j'avais fait, mais j'en avais fait plus que Sonia.
Bon, après, Sonia est partie en vacances, donc elle a rattrapé son retard. Et là, donc, elle m'a demandé si ça m'allait qu'on fasse 300 croix semaine. Donc, je suis désolée. Mais alors, vraiment, vraiment désolée. Ouais, 300 croix, ça se fait très facilement. Donc, en une fois par semaine, les croix sont faites. Alors, comme Sonia le disait, bon, il est temps qu'on termine celui-là, de cette-là partie, qu'on change un peu. Parce que là, bah, ça fait. Mais bon, je pense que c'est la plus grande partie, celle-là. Ouais, c'est la plus grande case. Les autres sont. Il y en a encore une qui est à peu près de la même grandeur, mais qui est un peu plus. Ouais, si elle est un peu plus costaud quand même. Voyez, ici. Hop, celle-là. Elle est un petit peu plus costaud à faire. Il y a plus de points. Mais bon, ça va très très bien. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ouais, du coup, je vous ai pas dit. Je l'ai mis où? Oui, j'ai fait 300 croix. Ce qui fait que je suis à 2557 croix, soit 6,55%. Voilà. Ici, alors, j'ai pas fait grand-chose. Je sais plus ce que j'avais fait ce jour-là, mais je sais que j'ai pas fait grand-chose. Alors attendez, mon aiguille est mal mise. Voilà. J'ai fait que 160 croix. Voilà. Alors là, la toile est très longue. C'est tout chiffonné, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, j'ai travaillé dans quel coin? Ici, je crois. Je crois que c'est ici que j'ai travaillé. Mais je n'ai fait que 160 croix. Bon, je l'ai sorti. J'ai commencé à le broder. Puis après, on a eu un truc à faire. Donc, je l'ai posé. Mais je ne l'ai pas repris. Voilà. Mais là, bon, il serait temps que je sorte du ciel. Il est temps que j'en sorte. C'est pour ça que là, j'avais commencé les montagnes. Mais c'est vrai que là, ça commence à devenir long. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, je commence à partir un petit peu à droite, à gauche, pour diversifier un petit peu. Mais, donc, ça, c'est un achat ED. C'est le Hayden. C'est une catastrophe cette mémoire. Le voilà. C'est le Hayden Harbor de Andy Russell. Voilà. Mais les couleurs sont très belles. Les couleurs sont très belles. Niveau grand, alors oui, celui dont je vous parlais tout à l'heure, le voilà, que l'on fait avec le gang des Canadiennes. Voyez, je suis toujours à mon premier carré. Ouais, les filles, si vous passez par là, je suis mauvaise élève, hein. Donc, je suis toujours sur mon premier carré, qui n'est d'ailleurs pas fini. Mais bon, on va faire pour se remettre dessus. Mais bon. Et dernière grande que j'ai fait. Alors, oh, j'enlève tout, les tapis, tout. Alors, vous voyez, c'est une nouvelle pochette. Je vous en parle pas plus aujourd'hui. Lundi, sur mon unboxing de Biggest Craft, je vous en parle. Voilà.
Je suis contente de l'avoir. Alors aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui, j'ai travaillé donc sur ma japonaise. Ça s'appelle le Mini Asia Fantasy 3. Voilà. Donc j'ai bien avancé aujourd'hui, je trouve. J'ai fait 630 croix. Je n'ai fait que celle-là aujourd'hui. J'ai fait 630 croix, ce qui fait que j'ai déjà brodé 3516 croix et je suis à 4,65%. Voilà. Alors, est-ce qu'on va... Ah, là, on voit bien les couleurs. Voilà. Alors, là, vous voyez que je commence à me disperser. Je vous explique. Enfin, quand, bon, faire la méthode parking, ça me gêne pas, mais c'est en fin de compte, c'est pas ma tasse de thé quand même. Du coup, là, je suis partie. Voyez, on voit, hein, il y a des petits points partout. Je termine mon fil. Bon, là, c'est pas encore fait parce que je suis pas à cette partie-là. Mais en fin de compte, j'ai choisi de terminer mes fils. Je m'y retrouve mieux, je trouve c'est plus clair pour moi dans ma tête. Voilà. Donc, je fais mon fil. Bon, quand j'ai un point qui est vraiment beaucoup, beaucoup trop loin, là, je le coupe, je le remets sur ma bobine. Mais voilà. Donc, là, pour celle-là, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, quand j'arriverai, quand je vais revenir ici, je vais terminer mes fils qui sont là. Et je vais faire pareil. Voilà, je crois que c'est peut-être pour ça que aujourd'hui j'ai réussi à faire beaucoup de croix dessus. Je me suis trouvée moins éparpillée. Voilà, c'était beaucoup mieux. Ouais, en fin de compte, bon, tout au début, la méthode parking, je n'aimais pas ça du tout. Après, je m'y suis mis, j'ai dit ouais, c'est bien, c'est top. Et puis là, en fin de compte, ça me prend trop la tête. Et encore, moi, méthode parking, mais light, hein. Quand je vois les méthodes parking des Américaines, là, en ce moment, j'ai mal au crâne, mais là, la tête explose, hein, si je ferais comme elle. Hein. Parce que elle, il y a des dizaines, dizaines, dizaines de fils qui pendouillent. Des fois, là, vous en avez tout du long, là, qui tombent. Oh non, là, je peux. Non, 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 non. Donc, on va reprendre la méthode classique. Voilà, je prends un fil, je brode mon fil. Si je peux aller jusqu'au bout, ben, je vais jusqu'au bout de mon fil. Si je peux pas, parce que les points sont beaucoup trop loin. C'est rien, je le coupe, j'arrête mon fil et je le coupe. Voilà, et je remets le reste du fil sur ma bobine. Voilà. Mais là, je suis contente parce que là, on voit bien maintenant son épingle à cheveux. On voit bien la première feuille qui est sur sa tête, puisqu'elle a des fleurs, des feuilles. Donc là, on commence vraiment à bien distinguer. Et du coup, en faisant comme ça, même si je descends un peu comme ça, ou que je repars par là, ou que je repars par là, ben je vais mieux voir le dessin, je trouve. Voilà. Et là, j'ai hâte justement d'arriver à son visage. Voilà. Donc, j'ai bien travaillé dessus aujourd'hui. Je voulais un que... Alors... Je m'étais dit, dans la journée, j'avais dit, bon, allez, je fais 400 croix. Je suis arrivée à mes 400 croix, j'ai dit, oh, j'en fais encore un petit peu. Je suis arrivée à 500, je fais, allez, encore un petit peu. Et puis, j'ai dit, bon, allez, à 600, je m'arrête. Et en fin de compte, j'ai fait 630. Après, j'ai dit, bon, là, j'arrête parce que j'étais très fatiguée et mon mal de tête commençait, donc... C'était pas top.
Voilà. Hop. Alors, niveau broderie, c'est tout. Mais mon challenge. Alors, mon challenge. Je prévois toujours de faire 3000 croix par semaine. Mais cette semaine, j'étais petit joueur, j'ai fait 3056 croix. Voilà. Bon, c'est pas énorme. Bon, j'ai gagné mon, j'ai réussi mon challenge, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pas... Voilà. J'ai fait le boulot. Point bas. J'ai pas été plus loin. Alors, la semaine dernière, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ce que j'allais broder cette semaine. Alors attendez, je cherche mon stylo qui est derrière mon téléphone et on va regarder cette semaine. Alors je n'ai toujours pas renouvelé ma roue. Il faut que je change mes roues, mais bon, c'est pas très grave. Alors la semaine prochaine, bah, on termine le mois en plus. Donc, il nous restera un, deux, trois jours. Oui, je ne vous ai pas montré de broderie estampée cette semaine parce que je n'en ai pas fait. Cette semaine, non, j'ai rien brodé en estampé. Et puis là, j'ai toujours pas lavé la mini toile de fleurs puisque je vous avais dit à la pression, elle est complètement foirée. Mais du coup ça m'a un peu cassé pour cette série là heureusement c'est la dernière, mais ça, c'est vrai que ça m'a un peu cassé et la fleur là, bon, je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais pour l'instant je suis pas motivée à la faire, mais c'est la dernière, donc mais elle sera faite, hein, ne vous inquiétez pas, je vous la montrerai, mais là bon, tout de suite je suis pas motivée pour la faire. Alors alors on va choisir les HAED d'abord. Donc dans les HAED, j'ai ma japonaise, ma steampunk bleu, le paysage, voilà. Donc on va choisir un des trois. Ah bah ça va être la steampunk. Voilà. Ça fait 2-3 semaines que je n'ai pas été voir ma steampunk. Donc, je note l'HAED. Alors, la steampunk, ce n'est pas un vrai HAED. Hein. Je la mets dans l'HAED puisque c'est une couverture totale et que c'est une grande toile. Et c'est une broderie que moi, j'ai fait en grille suite à une image que j'ai trouvée sur internet. Voilà. Donc pour l'instant je marque le steampunk. Si je fais un autre HAED, on verra. Suivant le temps que j'aurai. Alors, les salles. Ah, ça y est, il y a de la pub. Oh là là. Alors le sale, il y a le sale du Nouvel An que, alors là je suis complètement hors système. Je suis très 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 en retard. Il y a le sale... Ah non, le sale mystère n'y est plus. Alors attendez, il faut que je le retire. Éditer, sale mystère. Hop, voilà. C'est bon. Oui, le sale mystère, le fond, il n'y est plus. Ensuite, donc j'ai le sale du Nouvel An, j'ai le sale du Colibri, le Hall Forest de Julia, le Alice au Pays des Merveilles et les ours de Noël. Allez, on va en tirer deux.
Eh ben, les ours de Noël. Voilà, on en tire un deuxième. Le colibri. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, les broderies. Les points, bon, c'est tous des points comptés, mais hors salle, je veux dire. Alors, il faut que je retire. Alors, est-ce que je l'ai déjà retiré? Parce que je n'ai plus ma carotte. Est-ce que j'avais déjà retiré la carotte? Le paon, le héron, le Bouddha, la grenouille, Lucas, le Caroline Ménine, le fox, la demeure de charme. Et le fan. Alors le fan, il n'y est plus. J'ai l'impression qu'il en manque un. Oui, il manque. Alors, c'est ça. Hop. Voilà. Et il manque. Comment le patchwork, faut que je rajoute un dedans. Pourquoi il se met pas? Je sais pas. Je crois que je vais chercher un autre, une autre application de. De roue, parce que celle-là, des fois, elle me. Alors, le patchwork. Là, le Halloween Quaker. Voilà. Halloween, je vais marquer. Voilà. Et aidez-moi. Aidez-moi. Oui, j'ai mon tigre aussi. Et j'ai mon hibou. Alors, le tigre. Voilà. Et le hibou. C'est celui qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Voilà, bon, je pense que, enfin, je crois que j'en ai encore oublié, mais ce sera déjà bien. Oh, ça ne me passe pas ce mal de tête. Voilà. Alors. Donc, dans celui-là, il y a le tigre, le hibou, le paon, le héron, le Bouddha, la grenouille, l'aquarium de Lucas, le Caroline Ménine, le fox, la demeure de charme, le patchwork sampler, le Halloween Quaker. Allez, on va en tirer plusieurs. Ah bah ça va être le tigre. Oui. Le tigre. Donc c'est un Lucas. Ensuite. Donc là, il faut que j'en tire au moins 5. Ah bah le patchwork. Voilà.
Halloween. Ah ben décidément, c'est tous les... Ah non. La demeure de charme. Ouais, ce sera le dernier pour l'instant. Ah non, le tigre est déjà sorti. Le tigre est déjà sorti. Halloween est déjà sorti aussi. Bon, j'ai pas de bol, hein. Là, c'est quoi? Ah bah, le Lucas, l'aquarium. Oh, ça y est, il y a une mouche. Voilà. Donc, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. La steampunk, l'ours de Noël, les colibris, oui. Voilà, ça devrait... Mais si j'ai du temps, j'en rajouterai une. Voilà, je crois que j'ai tout tiré au sort. Bon, les estampes. On va tirer quand même l'estampé, mais. Ah, oh, ça y est, les pubs. L'estampé, c'est vrai que je fais surtout au feeling. Voilà. Alors, estampé. Donc là, on a le cerf, le cheval, la dame de Noël. La fleur n'est pas inclue dedans parce que bah, la fleur, je la fais quand j'en ai envie, mais là, en ce moment, j'ai pas envie. Donc, c'est tout simple. La dame de Noël, super. Voilà. Donc, on va déjà faire ça. Alors, en achat ED pour l'instant, ce sera la steampunk. Pour les salles, ce sera les ours de Noël et le colibri. Mais bon, si j'arrive à en glisser un autre entre deux, je le ferai. Les autres points de croix, ce sera le tigre de Lucas. Le patchwork sampler, le Halloween Quaker, la demeure de charme de poussière d'étoile et l'aquarium de Lucas. Et en estampé, ce sera la dame de Noël. Voilà. Donc en tout, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, en sachant que de toute façon, j'essaye en moyenne de faire deux broderies par jour. Donc, normalement, je dois en faire 14 par semaine. Mais bon, je vais laisser comme ça. Ah, oh, mais non, c'est... Attention, j'ai la tapette. Tu viens, je te tape. Je me laisse une marge, comme ça, je sais... Oh, Fifi, pitié! Toi et puis plus la mouche, je te jure, c'est. Pompon. Ouh, le pompon. Ouh, le pompon. Bon, non, maman, elle rigole. Bon, elle a eu peur. C'est parce qu'elle est occupée à regarder autre chose. Ah, les poils. Fifi, bouge. Merci. Oui, donc ça me laisse une marge de 5 broderies que je peux encore intégrer dans ma semaine, suivant le temps que j'aurai. Voilà.
Bah écoutez, moi je vais ranger les broderies et puis on va découvrir le tricot. Voilà. Alors on est à quoi? 1h15, ouais, je vous ai dit, hein, ça allait être petit cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Allez, je range et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, je vous disais au début de la vidéo que j'avais quelque chose à vous montrer qui est terminé. Alors, je suppose que vous devinez ce que c'est. Bon, il y en a qui l'ont déjà vu. Oui, il est fini. J'ai fini le pull de chouchou. Voilà. Alors, je vais vous mettre une photo. Bon, là, il n'est pas encore lavé ni bloqué, mais je me demande si je vais le faire parce qu'il m'a l'air quand même bien. Alors, attendez, je le mets bien. Hop, voilà. Bon, mon angle de col V, il est pas. Mais ça ne se voit pas. Voilà. Voilà, donc il est terminé. Je suis contente. Alors, oui, je ai mis une photo avec Chouchou, mon petit mannequin. Donc, c'est un pull, c'est un modèle Bergère de France, un pull qui est déjà ancien sur le site. Mais bon, les débardeurs comme ça, tout simple, ça se démode pas. Hein, voilà. Là, je l'ai fait donc avec la laine qui était préconisée, donc c'est-à-dire la laine Calinou. Alors, j'ai déjà remonté le reste de ma pelote qui m'a resté. Il me restait, j'ai pas pesé ma pelote, mais il me restait un tiers de la pelote. Voilà. Donc, ce qui avait été préconisé sur le patron, bah, c'était la bonne quantité de laine. Voilà. Donc là, je vais le. Je sais pas, je réfléchis encore si je vais le laver pour bien le mettre en forme ou pas. Je vais voir. Normalement, oui, je voudrais bien le faire, mais on verra. Donc en tout cas, je suis contente parce que voilà, il est fini. Bon, là, ça, on dirait que ça. C'est pour ça que je voudrais bien quand même le mettre à bloquer un petit peu. C'est surtout pour le col, là, mais bon, ça va. Donc terminé, youpi, j'ai fini. Ah, je suis trop contente. Il était temps, hein, je vous le dis. Je ne sais plus depuis quand je l'avais commencé ce pull, mais ça fait un bon moment. Je ne sais même pas si, en regardant sur mon Instagram, si je vois à peu près quand est-ce que je l'avais commencé. Mais ouais, ça fait un bail. Chouchou, il désespérait de l'avoir, son pull. Il me dit, bah, maintenant il fait chaud. Hein. Il dit, je ne vais plus le mettre. Je dis, ben ouais. Je dis, ben ouais, là, pour l'instant, c'est râpé pour le mettre. Alors. Pas si je vais le voir. Si ça veut bien s'ouvrir. Bon, ben, tant que ça s'ouvre et je regarderai après. Sinon, j'ai travaillé donc sur mon deuxième pull. Je n'ai fait que ces deux-là cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Voilà, mon pull Armel de chez Fil d'Art. Donc, fait avec le fil eucalyptus, c'est du 100% lyocell, pardon. Voilà. Donc là, je suis sur le devant. Ah, Fifi! Donc, voilà ce que j'ai fait cette semaine, une dizaine de rangs. Celui-là est vraiment très agréable à tricoter. Alors, par contre, quand je l'aurai terminé, il va falloir que je fasse attention à pas accrocher parce que c'est un fil que quand on accroche, ben, il fait des bouclettes. Vous savez, il y a les fils qui se tirent. Donc là, ben, quand je vais le porter, il faudra que je fasse très attention quand même de ne pas l'accrocher.
Mais sinon, c'est un fil très léger, très très souple. Voilà. Bon, c'est une mare de jersey, hein, bien sûr, mais voilà. Là, j'ai eu un petit changement de pelote. Voilà. Donc, c'est celle-là de laine que j'utilise. Voilà. Oups, voilà. Et là, c'est la couleur lagon. Voilà, niveau tricot, bah, c'est tout ce que j'ai fait. Bah, c'est déjà pas mal, hein, puisque j'ai terminé un pull. Je vais cette semaine bah, travailler sur celui-là et reprendre mon autre fil d'art. Vous savez, celui où je suis arrivée au plastron. Ah, bah voilà, ça y est, ça s'est ouvert. Celui où je suis arrivée au plastron. Non, ça ne veut pas aller. Je crois que c'est l'internet qui. Alors, moi, je suis chez Free. C'est une horreur. Surtout niveau télé. Ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Bon, ben, je crois qu'il ne va pas vouloir. Il met une page tous les 3 secondes. Ouais, non, bah, cette allure-là, demain, on y est encore. Bon, c'est pas grave. Je sais que ça fait longtemps que j'avais commencé ce pull. Je crois que je l'avais commencé en début d'année. Bon, même avant, je crois. Même avant, l'année dernière. Oui, donc je vais tricoter cette semaine mon fil d'art. Donc, je sais toujours pas pour le plastron, mais je vais voir ce que je vais faire. J'espère vous montrer la semaine prochaine ce que j'aurai fait. Mais en attendant, alors là, je vais repartir sur le truc. J'ai déjà préparé, enfin, pas encore les aiguilles, mais j'ai descendu la laine pour préparer un autre pull. Mais je vous rassure, je ne vais pas le faire là tout de suite. Hein. Alors. En tant que bergère de France s'ouvre. Allez, oh là 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 là. C'est une catastrophe. Bon, je vais vous mettre l'image, ça ira plus vite. Donc, j'ai préparé mon sac pour tricoter un pull, mais alors tout simple. C'est le pull court duveteux, sauf que moi je vais pas le faire court. Vous savez que je n'aime pas les pulls courts. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ma silhouette n'aime pas les pulls courts. Donc c'est le pull court duveteux de chez Bergère de France. C'est le modèle M1741 et il se tricote en flocon. Voilà. Donc moi j'ai déjà imprimé mon patron, voilà, j'ai déjà fait toutes mes marques parce que pour moi bien me retrouver, je vais le tricoter en. Alors j'hésite entre le XL et le XXL. Alors il y a combien de mailles de différence? Il y a 8 mailles de différence. Quand on attaque le dos, il faut monter. Alors, XL, c'est 122 mailles. Et le XXL, c'est 130 mailles. Donc, il y a 8 mailles en plus. Donc, j'hésite. Parce que, est-ce que si je le fais en XL, ça va me suffire? En sachant que là, j'ai attaqué le régime, entre parenthèses. Je fais attention à ce que je mange en ce moment. Et du coup, là, en une bonne semaine, j'ai déjà perdu 5 kilos. Oui. 5 kilos. C'est trop chouette. Mais au début, on perd beaucoup d'un coup. Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'en largeur, alors en centimètres,
La largeur, elle fait 67 cm en XL et 72 en XXL. Bon, de toute façon, moi, je vais reprendre mon tour de taille, là où je suis la plus grosse. Donc, ça va pas être la taille, c'est vraiment un peu au-dessus du ventre. Je vais mesurer là pour savoir combien je fais exactement. Comme ça, je vais voir si je fais du XXL ou du XL. De toute façon, il se tricote facile, hein. Vous avez vu, deux rectangles, deux manches en trapèze et hop, en avant guingant. Donc rien de folichon, des bord-côtes de 2 et tout le reste est en jersey en droit. Voilà. Donc rien de pas de prise de tête. Moi j'ai rajouté. Alors à la base ici aux emmanchures, donc là ça faisait 26 cm. C'est petit, hein? C'est petit petit. Donc moi j'ai rajouté 14 cm. Là vous allez me dire c'est beaucoup, mais non. J'ai rajouté 14 centimes. Mon mal de tête passe pas, hein, je vous le dis. J'ai rajouté 14 centimètres pour arriver à 40. Voilà. Parce que moi, non, je peux rien mettre au niveau que ce soit au-dessus du ventre ou encore. Bon, il faut vraiment que ça descende pour cacher les rondeurs. Voilà. Donc voilà, et je vais le faire. Alors, je vous l'avais déjà présenté, donc avec cette couleur là. Alors, c'est un peu moins vif que ça, c'est couleur jean, et eux ils appellent ça la hussard. Voilà, mais c'est une couleur jean. Alors, c'est une laine qui est un peu duveteuse, voyez. C'est pour ça qu'ils appellent le pull court duveteux. Voyez, donc elle est très très douce. Oh, elle est super douce. J'aime bien la couleur. Donc c'est la flocon de bergère de France. Voilà. Et elle se tricote en 5. Voilà. Oui, c'est bien marqué fabrication française. Voilà. Donc est-ce qu'il y a autre chose de marqué? Oui. Alors c'est une 56% de laine, 25% d'acrylique et 19% de polyamide. Voilà. Donc normalement j'ai le bon nombre de pelotes. Moi j'avais compté. Oh, je sais plus où j'en ai mis en haut. Je crois que j'en ai mis 8. 8, ouais. Oh, il y a des promos encore sur Bergère de France, c'est pas bien. Alors, je vais regarder ma commande. Je crois que Oh, si j'en ai 8, ça va faire juste peut-être. Alors, attendez. Mes commandes. Est-ce que c'est celle-là ou celle-là? Je sais plus. Alors, là, non, là, non. Alors, j'hésitais aussi pour faire un. J'ai enfin, j'ai plusieurs pulls que je voudrais faire. Et j'ai hésité entre le. Ah ouais, c'est celle-là. Donc attendez, j'ai pris combien de pelotes? 8 et 2. Ah, moi j'en ai 10. Donc c'est bon, ça va, j'en ai 10. Ouais, j'ai hésité à faire mon autre pull. Alors, je vais le mettre là. Est-ce que je sais l'ouvrir? Ah, je ne sais pas l'ouvrir. Voilà, alors, copier, hop,
Rechercher. Voilà, celui-là. Donc, comme j'ai pas encore commencé, je peux encore changer. Hein. J'ai pareil, j'ai la laine, j'ai tout. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, celui-là. Je me demande si je ferais pas plutôt celui-là en premier. Parce que celui-là est un peu plus fin. Et c'est fait en... Allez. Donc celui-là, c'est le pull jersey col rond manche droite Marianne. Et il est fait en mérinos lin. C'est du mérinos lin. Et du coup, je me demande si je ne le ferais pas plutôt... je ferais pas plutôt celui-là. Là, il me fallait 12 pelotes pour celui-là. Et j'en ai... Allez. Excusez-moi, je ronchonne sur mon ordi, ma tablette. Alors, j'ai dit combien? Alors, moi j'en ai 12. J'ai 12 pelotes. Et j'ai dit qu'il en fallait. C'est une catastrophe. Je vous jure, j'arrête pas de le répéter. Hein. Vous allez dire, se plaint, mais j'ai super mal à ma tête et du coup, ça va pas. Ah ben, il en faut 12. 12 tout juste. Donc là, il ne faudrait pas que je tombe en panne. Enfin, pas en panne, mais que je tricote. Ouais, là j'en ai 12. Alors, je ne sais pas encore. Est-ce que je fais celui-là ou est-ce que je fais celui en mérinos lin? Maintenant, j'ai un doute. Cela, la laine est plus épaisse et celui-là, il se fait en aiguille 3,5 pour les côtes et 4 pour le reste du corps en jersey. Ah, je sais plus maintenant ce que je veux faire. Ouais. Parce que bon, ces genres de laine-là, je connais bien. Mais la mérinos lin, non. Je ne sais pas du coup. Bon, on verra. Je ne commence pas cette semaine, donc ce n'est pas très grave. Je sais que bon, là, de toute façon, mon patron est prêt avec les modifications et tout. Donc, c'est bon. Et si je fais le pull en mérinos, bon bah j'ai juste à télécharger la grille que j'ai déjà, enfin le patron, et voilà. Et mais bon, j'ai d'autres modèles aussi que j'ai envie de faire enfin, rapidement. On peut pas dire que moi et le tricot ce soit toujours rapide. Mais j'ai aussi donc mon pull marin à faire. J'arrive pas. Alors. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas, je vous jure. Hein. Pouh. Rien qui va. Ah, voilà. Allez, ouvre. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Donc, c'est celui-ci que je vous avais déjà montré. Mais moi, il sera en blanc cassé et les rayures, elles seront en couleur hortensia, je crois. Enfin, c'est rose. Voilà. Donc, j'ai celui-là à faire également. Donc, ben, on verra. Je vous en reparlerai et puis on verra ce que j'ai choisi. Ou alors je vais me faire des petits papiers, puis je vais tirer au sort. Voilà. Parce que j'ai. C'est pareil, hein, j'ai encore d'autres pulls. Hein, j'ai plein de laine en haut. Donc il y a des laines que je sais déjà ce que je veux faire à peu près. Mais bon, voilà. Ben, écoutez, on a fait le tour aujourd'hui. 1h30.
c'est pas énorme, mais bon, pour être franc, ça m'arrange parce que je vous dis, ma tête va exploser. Je sais pas pourquoi, mais voilà. On fera plus long la semaine prochaine et voilà, il y aura peut-être un peu plus d'ouvrages à vous montrer, un peu plus de tricot, peut-être d'autres choses, on verra. Voilà. Écoutez, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas non plus. Tant que c'est gentil, que c'est dans la politesse, que c'est... vous pouvez y aller. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine en meilleure forme, je l'espère. Et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Thank you.